Bonjour, alors je vais vous partager le unboxing de mon iPhone XS Max. Mais pour commencer, je vais vous présenter les différents accessoires que j'ai pris en additionnel. Nous avons d'abord une plateforme de recharge sans fil de Belkin. Ensuite, une coque de protection silicone transparent de Mouchi. Un film de protecteur d'écran en verre trempé pour iPhone XS Max bien sûr, de marque Forglass. Un chargeur un peu plus puissant de 12 watts pour avoir accès à la charge rapide vu qu'à la base Apple ne fournit pas. Et pour finir, voilà la bête. Un iPhone XS Max de couleur dorée en version 512 Go. Toujours sous emballage bien sûr. Nous allons commencer le déballage des accessoires pour terminer par l'iPhone. On va prendre la recharge sans fil pour commencer. Je vais utiliser mon petit cutter. Un petit coup de cutter. Et voilà la plateforme de recharge sans fil de Belkin. Sympa. Avec son petit câble USB. On attaque la coque de protection. Voilà. Transparent. Sympa. On continue avec le film de protecteur d'écran. Voilà. Pareil, un coup de cutter. Voilà. Je crois qu'on glisse. Voilà. Bon, ça, ça va être la notice avec la garantie et tout. Parce qu'apparemment, c'est garantie à vie. Mais il y a l'intérieur. Bon, on va le déballer plus tard. Autour du petit chargeur rapide de 12 watts. Allez, le petit rituel. Coup de cutter. Voilà. Bon, ouais, il est tout petit. Et enfin, l'iPhone. Comme je l'avais dit précédemment, qu'il est toujours sous emballage, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais commencer par déplastifier le petit coffret. Hein. Voilà. Waouh. Il est magnifique. On ouvre le coffret. Comme cela. Et là, on retrouve la notice avec les garanties et tout. Hein. Et voilà la bête. Il est hyper classe. Waouh. Magnifique. Pour le moment, ben, on va le laisser de côté. Et on va revenir plus tard. Là, ben, on retrouve les écouteurs hein, habituels, connexion Lightning, avec le câble USB hein, et le petit chargeur. Maintenant, on va enlever le plastique de l'iPhone. Voilà, comme ça. Puis, on va se précipiter de mettre la coque de protection MDR. Ensuite, ben, nous allons terminer par le film protecteur en verre trempé. Hein. Bon, alors je pense qu'on va par là. Ensuite, ça. Bon, la notice. Hein. Bon, alors d'après la notice, je crois qu'il faut le poser sans
la coque de protection. Ok, ben on le retire. Ensuite, nous allons enlever ce protège. Comme ça. Puis, ben le coller. Comme cela. Puis au centre. Et ensuite, on retire la dernière partie du fil. Comme cela. Voilà le rendu. Il est invisible. Voilà. Comme ça. Et voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis voilà. Ciao les geeks.